Attends une minute, je vais voir si je vais rigoler longtemps, moi. Hein? Je vais sûrement pas rigoler longtemps de vos conneries, là. J'étais en train d'écrire un texte, un des plus beaux, enfin, un des plus beaux. Ça sortait du cœur, non d'un chien. Hein? Et vous m'avez coupé? J'écrivais à Rosie, ma sœur. Et vous m'avez coupé, exprès? Ça vous fait chier que je dise que j'aime Rosie autant que Jésus l'aime? Que j'ai l'amour du Christ en moi? Que j'aime toute sa création? Hein? Bande d'enculés que vous êtes, là. La jalousie. Ça vous fait chier, le vrai amour? Hein? Oui, j'aime Jésus. Oui, je l'adore. Je l'aime. Je l'aime plus que ma vie. Oui, je l'aime. Hein? Ouais, je dépose 1000 baisers sur chaque blessure qu'ils ont fait il y a 2000 ans. Hein? 1000 baisers sur chaque blessure, sur tout son corps. Si ça vous plaît pas, je vous emmerde. Hein? Que ceux qui ont même pas compris qui était Jésus... Qui lisent bien entre les lignes. Je connais Jésus dans toute son entièreté, de tout ce qui fait de lui ce qu'il est. Hein? J'ai compris qui il est. Il faut accepter tous les côtés de ce qu'il est. Sinon, c'est même pas la peine. Un seul côté que vous n'aimez pas, alors vous ne l'aimez pas. Voilà, je sais qui tu es, mon grand. Ils sont complètement dingues, et ça les fait chier que j'écrive tout ce que je sais. Hein? Jésus, il n'est pas seulement Jésus. C'est pas seulement Jésus, Jésus. Lisez la Bible, mais ça, il faut savoir lire ce qu'il y a dedans. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs. C'est pas seulement Jésus tout court. Hein? Il est le... Merde quoi, tout ce qu'il fait de lui, il faut aimer tous les côtés et tout. Ils vont dire qu'il est le mal, il n'est pas le mal. Ils vont le faire, ils vont dire qu'il est le mal, il n'est pas le mal. Bordel de merde quoi, vous me coupez un si beau texte que j'avais écrit. Ça sortait du cœur de mon âme et de l'esprit qui m'anime. Hein? Vous n'avez pas honte de me faire chier comme vous faites? Vous paierez pour toute votre connerie que vous faites, là, vas-y. Ça vous fait chier? Hein? Rares sont ceux qu'ils l'ont accepté dans son entièreté, Jésus. Eh, la plus grande lumière qui puisse exister. Hein? Je peux vous dire que l'étoile, moi, toute ma vie, cette étoile-là, je la regardais briller. La plus belle de toutes, celle qui brille. Lisez vos bibles, bordel de merde. Mais allez voir plus loin que ce qui est écrit. Vous lisez, mais vous comprenez pas. Stéphanie, il faut pas seulement lire. Vois plus loin ce qui est écrit, bordel de merde. Tu comprendras qui est Jésus. Excuse-moi de m'énerver. Je m'en excuse. Voir plus loin. Il faut pas bêtement lire la Bible comme certains chrétiens. Je veux pas critiquer les catholiques ou quoi que ce soit ou d'autres. Mais il y en a, ils sont entêtés, ils lisent et c'est tout. Ils vont pas chercher plus loin que ce que ça veut dire. Il y en a, le voile n'est pas tombé, il y en a un. Hein, le voile n'est pas tombé complètement pour certains. Hein. Je veux pas me donner des gants et tout ça. Je veux pas me glorifier, non, c'est lui que je glorifie. Mais si Jésus veut pas qu'on glorifie, je glorifie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je les adore autant, les trois, autant. J'en ai rien à foutre. Je dis ce que j'ai dans le cœur, je dis ce qui sort de mon cœur. C'est Jésus qui est en moi, merde. Ouais, Jésus. Il est Antipas, il est le paraclet, il est tout ça. Hein? Putain de merde, s'il fallait que je dise tout, vous ne seriez pas d'accord avec moi, pourtant c'est la vérité. S'il fallait que je dise tous les noms qu'il est, tout ce qu'il est, les noms de toutes les personnes qu'il est à la fois. Il n'est pas seulement Jésus. Hein?
Il est le lion de Juda, il est tout. Je vais pas dire tout. Tout ce que. C'est trop long à dire tous les noms. Je l'ai écrit à mon ami. Je lui ai écrit à mon ami. Cœur d'artichaut, je lui ai écrit. Elle sait que j'ai tout compris. Et Jésus aussi, il sait que j'ai tout compris, que je sais qui est ce qu'il est vraiment, dans toute son essence. Il a compris. Dans une autre vie, j'étais Marie-Madeleine, j'étais mariée à lui. Si je le connais pas, bah. Merde, quoi! La sagesse de Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est, la sagesse de Jésus-Christ? Ils m'ont arraché à lui il y a 2000 ans. Si vous croyez que je l'aime pas encore comme je l'ai aimé à l'époque, c'est même plus que ça aujourd'hui, même plus. Vous savez pas ce que c'est. Vous l'avez même pas vécu. Comme on se souvient de tout, je peux vous dire que. Ouais, il faut comprendre l'amour qu'il y a. Il faut l'avoir, l'amour du Christ en soi, pour comprendre. Ça vous fait chier les autres que j'étais Marie-Madeleine et que j'étais sa Sophia? La sagesse du Christ? Je suis la seule à le comprendre comme personne. Pour moi, je serais toujours son épouse dans mon cœur, vous comprenez ça? J'étais mariée à lui. Un contrat de mariage, ça se déchire pas. Ce que Dieu, ce que le Père lit, il est lié pour à tout jamais. Voilà. Ce sera à tout jamais. Et c'est pas parce que j'étais son épouse dans l'autre vie que j'empêcherai de faire ce qu'il a envie de faire. C'est Dieu qui choisit, c'est mon Père qui choisira. Et c'est lui qui choisit. Mais l'amour que j'ai dans moi, elle est réelle. Et c'est pas la peine de dire, Stéphanie, que la réincarnation n'existe pas et tout ça. Au début, tu croyais, mais de toute façon, c'est toi qui es venu me chercher. C'est toi qui es venu me voir. Et maintenant, tu doutes, mais t'as le droit de douter. C'est ton problème. J'ai dit toute la vérité. J'ai dit toute la vérité sur Jésus. J'ai dit toute la vérité sur moi. J'ai vraiment vécu toutes ces foutues vies. Hein. Toutes ces vies, je les ai vécues. On peut pas apprendre les choses en une seule vie seulement. C'est impossible de pouvoir comprendre et arriver dans le chemin droit, étroit de la vérité sans avoir vécu plusieurs vies. C'est impossible. Et s'il est revenu, c'est pour nous aider. Et si tu peux pas comprendre cette vérité, alors tant pis pour toi. Tant pis pour tous ceux qui voudront pas comprendre. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous m'avez fait beaucoup de peine de me couper parce que c'était tellement beau ce que j'avais écrit, putain de merde. C'est pour ça que je fais une vidéo. Bande de vipères, quoi. Vous n'êtes que des vipères et vous allez dire qu'il est le mal. Il n'est pas le mal du tout. Il y a 2000 ans, vous l'avez traité de démon parce qu'il disait la vérité. Pourquoi j'ai fait des excuses à Lucifer? J'ai mal jugé Lucifer parce que j'ai cru certaines choses parce que avec toutes les conneries qu'ils ont pu dire, on se met à juger les gens parce que les autres disent ceci, disent cela.
Alors j'ai demandé pardon, c'est normal. Mais de toute façon, je connais Jésus et il me connaît. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est ce qui est le plus important. L'amour que j'ai en moi, c'est lui. Et c'est ce qui est le plus important. Ce que les gens peuvent penser de moi, j'en ai rien à faire. On peut me traiter de folle ou quoi que ce soit, j'en ai rien à faire. Moi, mon chemin, je l'ai fini, mon chemin. Je suis là où c'est que le Père a voulu que je sois. Il a voulu me remettre ici, c'est pas pour rien. Il fallait que je le retrouve. Et heureusement qu'il y a eu 7 ans de plus. Il a rajouté 7 ans. Sinon, il m'aurait pas retrouvé et je l'aurais pas retrouvé. Je l'avais retrouvé à un moment donné, mais je savais pas qui était SQ Vérité. Je savais pas. Je cherchais Dieu, le vrai, parce que je savais qu'en suivant certaines personnes, ils disaient pas la vérité et que j'étais pas avec le vrai Dieu. Alors j'ai cherché et puis j'ai crié à Dieu et j'ai dit si un vrai Dieu existe, alors qu'il vienne vers moi. Et il m'a entendu, c'est tout. Donc Père m'a replacé là où je devais être. Et puis au fil du temps, eh ben, il a fait en sorte que je sache qui j'étais, d'où je viens. Et c'est très bien ainsi. La boucle est bouclée. Moi, j'ai fini mon chemin, moi, j'ai fini. Ce que je veux, c'est que les gens, ils comprennent qui est Jésus, c'est tout. Et qu'ils aillent vers le vrai Jésus. C'est tout ce que j'ai à dire. Soyez tous bénis, je vous aime et je vous adore. Mais franchement, j'espère que pour certains, le voile y tombera. Ouais. Je t'aime, mon rabbi. Et je te bénis, mon grand.